Bonjour à tous, merci d'être là pour cette rencontre avec Claudia Durastanti au Centre Pompidou. Bonjour Claudia Durastanti. Vous êtes italienne, romancière, journaliste et traductrice de l'anglais. On vous a découverte en France l'automne dernier avec L'étrangère, publié chez Buchet Chastel. L'étrangère qui est un récit autobiographique absolument passionnant, j'ai trouvé. C'est la première fois que vous êtes traduite en français, mais avant ce texte, vous aviez publié déjà 3 romans en Italie. J'espère qu'ils vont nous arriver un jour. Le premier s'appelait « Si j'ai bien traduit, un jour je viendrai lancer des pierres sur ta fenêtre » en 2010, et vous aviez eu le prix Mondello du premier roman. Alors L'étrangère, qui s'est trouvée finaliste du prix Strega, qui est l'équivalent du Goncourt en Italie, L'étrangère, c'est pas seulement raconter votre vie, et c'est là où c'est intéressant, c'est réfléchir à ce que signifie l'appartenance, l'identité, la normalité, l'étrangeté, au sens propre, parce que votre vie vous a conduit très tôt à vous confronter à tous ces concepts. Vous êtes né à New York, dans une famille d'émigrés italiens, vos parents sont sourds, ils se séparent quand vous avez 6 ans, vous venez alors vivre avec votre mère et votre grand frère dans l'extrême sud de l'Italie. L'été, vous passez vos vacances à New York chez vos grands-parents. Et en Basilicate, vous passez toute votre enfance et votre adolescence dans une grande pauvreté parce que votre mère est issue, pour aller vite, des mouvements hippies alternatifs, donc vous vivez en quelque sorte dans la marginalité. Et puis, vous parvenez à tracer votre chemin en lisant beaucoup et très tôt, en écrivant. Et à l'âge adulte, vous partez vous installer à Londres, mais vous êtes revenu aujourd'hui en Italie. Donc, beaucoup d'allers-retours pour parler de tout ça, d'identité. Moi, ma première question, c'est pourquoi vous avez démarré sur ce récit autobiographique? Il a fallu 3 romans, il a fallu de la fiction pour arriver à un récit autobiographique? Bonjour, mon français ce n'est pas bon, je vais m'excuser, je vais parler italien, merci Sylvie. Grazie per essere qui. La straniera è il libro che io mi sono rifiutata attivamente di scrivere per tutta la mia vita, perché appunto per un discorso di eccezionalità e margine non riuscivo a trovare interessante in termini narrativi la storia della mia famiglia, o meglio c'era una sorta di eccesso di attenzione in un certo senso. Per me la letteratura è sempre stata arte della menzogna, della trasfigurazione, è un senso, un istinto che ho sviluppato abbastanza presto e mi rendevo conto che non c'era nessun tipo di incanto quando raccontavo la storia dei miei genitori sordi, borderline, artisti, con queste vite eccessive. E se le raccontavo, se mi limitavo ai fatti, notavo che c'era un interesse nelle loro biografie, ma non nella mia voce. Ora io parto dal presupposto che il sangue non è talento, ma è la manipolazione del fatto che genera letteratura, ed è per questo che non l'ho scritto per tanti anni. Alors bonjour et merci d'être venu aujourd'hui. Alors en fait, L'étrangère, c'est un roman que j'ai refusé d'écrire activement pendant des années, toute ma vie. Et ça pour des raisons qui concernent l'exceptionnalité et la marginalité. En fait, je pensais que mon histoire n'était pas intéressante ou qu'elle l'était en fait par un excès d'attention. Pour moi, la littérature, c'est surtout l'art du mensonge, de la transfiguration. Et j'avais ce sentiment quasiment mystique depuis toujours. Or, il me semblait qu'il n'y avait pas d'enchantement dans cette histoire de mes parents sourds, artistes, marginaux, et que si j'allais raconter cette histoire du point de vue biographique, ce ne serait pas intéressant. Pour moi, le sang ne fait pas le talent, mais c'est bien la manipulation qui génère de la littérature. Voilà pourquoi jusqu'à ce roman, je n'avais pas écrit sur ma famille.
Et comment vous avez trouvé la forme de ce livre? Parce que justement, vous ne racontez pas votre vie du début à la fin, de la naissance à aujourd'hui, mais vous avancez par thématique. C'est comme une espèce de puzzle qui se met en place où on comprend tous les questionnements auxquels vous êtes confrontés. Sì, allora questo libro nasce da conversazioni e sono le storie, i racconti orali che mia madre ha fatto della sua vita, è sempre stata una grande autrice della sua mitologia e io ho deciso di raccontare questa storia nel momento in cui ho pensato alla metafora in un certo senso dell'essere alieni dei miei genitori rispetto a me. Ricordo di aver visto questo film di Villeneuve, Arrival, che è basato su una storia di Ted Chiang, che è Story of My Life, che è una storia palindroma la cui protagonista è una linguista che deve decodificare il messaggio degli alieni, no? Arrivati sulla Terra. E io sono cresciuta con i film catastrofisti da ragazzina degli anni Ottanta, in cui l'alieno era cattivo di default e non ci si poneva il tema di una lingua in comune. E mio fratello, quando ero piccola, mi raccontava che i nostri genitori non erano sordi, non avevano una disabilità, ma erano alieni arrivati sulla Terra sotto mentite spoglie per fare un attacco. E quindi io sono cresciuta inconsciamente con quest'idea del loro essere alieni, ma non mi ero mai proposta il tema di trovare una lingua in comune, un lessico familiare accessibile. Ed è da questo punto di partenza che poi ho deciso di strutturare il libro seguendo il modello esistenziale di mia madre, che è quello dell'oroscopo. Lei è molto legata a un pensiero magico e quindi per me non funzionava il racconto di una vita in termini lineari, no? Il senso del tempo è destrutturato e quindi nel libro ci sono io bambina e adulta contemporaneamente e soprattutto le figure cardinali, che sono quelle dei miei genitori, appaiono e spariscono. Io credo che è stato importante per me il concetto di intermittenza e di madri che appaiono e spariscono, no? Come se fosse una questione di luce e luminosità. Ci sono storie molto... Ci sono anche fatti violenti nella straniera, però io non credo che il racconto del sé venga fatto in una camera al buio. E io volevo proprio insistere invece su questa apparizione e sparizione della luce attraverso la figura di una madre, e questo è legato a tutto un aspetto cosmologico, se vogliamo, appunto, dell'oroscopo, che è interessante come formato perché contemporaneamente ha il contenuto più universale, generico, applicabile a tutti che riusciamo a immaginare, ma per ognuno di noi si traduce in un contenuto specifico, individuale, e quindi è legato alla percezione di sé contemporaneamente intima, ma in un contesto più ampio. La prossima la faccio io. Alors, c'est un livre qui est né de conversations, des conversations que j'ai eues avec ma mère qui me racontait donc son histoire de manière orale. Elle a toujours été l'auteur de sa propre mythologie, de sa propre autobiographie. Et j'ai pris la décision d'écrire sa vie à partir d'une métaphore qui est celle de l'alien, de l'extraterrestre. En fait, j'ai compris que j'étais l'alien de mes parents, notamment en regardant un film qui s'appelle Arrivals, dont je ne connais pas la traduction en français, je m'excuse, qui est en réalité un polydrome. Pardon. C'est l'histoire d'une linguiste qui doit décoder le langage des extraterrestres qui sont arrivés sur la Terre. Et moi, à l'époque, j'avais une vision des films catastrophistes qui était tout à fait celle des années 80, c'est-à-dire que pour moi, tous les extraterrestres étaient des méchants a priori. Or, mon frère me racontait quand j'étais petite que mes parents n'étaient pas handicapés, mais que c'était des extraterrestres qui faisaient semblant, en fait, qui se déguisaient en handicapés pour préparer une attaque. Et j'ai toujours pensé ça, et je ne trouvais pas donc ce langage commun, une sorte de lexique familial qui puisse permettre de trouver un langage
pour cette histoire. C'est pour ça que j'ai choisi de construire le livre sur le modèle qui correspond à la pensée de ma mère, qui est celle de l'horoscope, puisqu'elle est très liée à la pensée magique. Effectivement, le livre n'est pas linéaire chronologiquement. On peut lire des passages où je suis enfant, des passages où je suis adulte et en même temps. Et mes parents aussi, dans le livre, apparaissent et disparaissent par intermittence. Ça a été un concept très important, ce concept d'intermittence, justement, de ma mère, qui est lié à une dimension presque lumineuse de l'intermittence. Ce n'est pas comme s'il n'y avait pas de fait violent dans mon histoire, mais je pense que le récit de soi ne peut pas simplement se borner à celui d'une chambre obscure, et il est lié profondément à une dimension cosmologique. C'est le principe de l'horoscope, qui contient à la fois un contenu universel, mais qui se traduit chaque fois dans une version individuelle. Et donc, la perception de soi est aussi liée à un contexte qui est beaucoup plus large. Oui, la mère, effectivement, qui est au centre, finalement, de ce livre. Ce qui est intéressant, alors, l'intitulé de la rencontre, c'est « Le langage comme territoire et identité ». Et évidemment, il est tout le temps question de langage, puisque vous êtes entre l'anglais et l'italien, la langue des signes de la mère et votre propre langue, mais aussi entre le dialecte et l'italien. Et vous dites à un moment donné que finalement, ça nous oblige à repenser complètement ce qu'on peut penser du handicap et de la surdité et du langage. Et c'est pour ça que votre livre, il est vraiment passionnant. Vous dites à un moment donné que, par exemple, la situation de votre mère, au fond, dans cette famille où les gens étaient de toute façon pas complètement à l'aise, ni en italien parce qu'ils venaient de la campagne, ni encore moins en anglais quand ils sont arrivés à New York, le fait qu'elle ait elle-même une autre langue ou qu'elle ne comprenne pas bien, ça passait, quoi. Et que finalement, ses frères n'ont jamais intégré l'idée qu'elle était sourde. Ils lui ont toujours parlé comme si elle était entendante. Uno degli aspetti che mi ha affascinato di più nel rapporto tra mia madre e la sua sordità era questo aspetto di negoziazione, no? Di visibilità e di opacità della sordità. Uno dei fatti a cui sono stata esposta da bambina era avere questa madre sorda migrante da Brooklyn al sud Italia che veniva scambiata per una straniera. Ci si accorgeva che parlava con una sintassi particolare, con dei volumi molto alti, e quando la scambiavano per straniera mia madre aveva un moto d'orgoglio, dice: vedi, li ho imbrogliati tutti, pensano che vengo da un'altra parte ma non che ho una disabilità. Ora, per me questo era problematico perché ero convinta, da bambina moralista, che la felicità coincidesse con l'accettazione del destino o dei fatti della propria vita. Alors, un des aspects qui m'a le plus charmé dans le rapport que ma mère entretenait avec sa surdité, c'était la négociation qu'elle réussissait à faire entre la visibilité et l'opacité du handicap. Il y a un fait qui est intéressant, c'est que et qui a marqué mon enfance de fille d'une immigrée qui passait de Brooklyn au sud de l'Italie, c'est que ma mère, généralement, était pensée comme une étrangère en Basilicate. C'est-à-dire que par le fait qu'elle avait une syntaxe particulière et des volumes, un volume particulier, sa voix avait des fluctuations de volume, on croyait qu'elle était étrangère et non pas qu'elle était sourde. Et par orgueil, souvent, elle me disait: tu vois comme j'ai réussi à les tromper. Si bien qu'elle arrivait à faire passer son handicap pour une origine étrangère. Et moi, en tant qu'enfant moraliste, cela me posait un peu problème, puisque je pensais que le bonheur passait par l'acceptation du destin individuel et des faits individuels de sa propre vie. Mais ce qui est intéressant dans le personnage de la mère, c'est qu'elle a toujours tout refusé, quoi. Elle refuse d'être sourde, elle refuse le langage des signes, par exemple. Elle lit sur les lèvres des gens, mais aussi elle refuse la normalité, puisque quand elle est jeune, elle dort dans la rue, elle vit avec des jeunes gens un peu en marge comme ça à Rome, où elle a passé son adolescence.
Mais vous dites aussi une phrase, vous dites « Elle ne s'habille jamais en femme, à part une fois dans l'année. Et quand elle fait, et quand elle le fait, nous la regardons ébahie en pensant à tout ce qu'elle pouvait être si seulement elle avait obéi aux règles. » C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'obéit jamais aux règles. Je ne sais pas si ça... pas, si c'est à cause de son handicap ou grâce à ce handicap, mais elle a toujours refusé d'être dans les cases où on voulait la mettre. Una delle dediche che volevo fare quando ho scritto questo libro era ai miei genitori che hanno vissuto la disabilità non con coraggio ma con incoscienza. Spesso quando ci si affronta, ci si ritrova ad affrontare una situazione di margine, no? Quindi può essere la disabilità, la classe subalterna, una minoranza di genere o qualsiasi altro tipo di minoranza, si innesca subito l'idea del buon povero, del buon migrante, del buon disabile. Mia madre non ha letto teoria, io ho fatto studi socio-antropologici e quindi avevo tutta una preparazione, se vogliamo, accademica, teorica, che spiegavano la fluidità e la negoziabilità dell'identità, però mia madre incarnava questi aspetti sin dagli anni 70 in una maniera molto grezza, molto frontale e quasi rudimentale in un certo senso, quindi per me come scrittrice più che come figlia è stato un grande apprendistato. Quando parlo di negoziabilità della sordità o degli aspetti dell'identità è quando mia madre, che ha passato tutta la vita a dissimularsi, a negare la sordità, a non usare la lingua dei segni, per esempio, quando le chiedevamo di fare delle cose che non voleva fare, diceva non posso perché sono sorda. E quindi in quella circostanza metteva avanti un limite usandolo come una risorsa positiva, no? Che creava un altro confine. Questa ambiguità può essere disorientante appunto nell'ambito dei rapporti familiari, ma è potentissima nel momento in cui pensiamo a come funzionano dei personaggi. L'ultima cosa che vorrei dire, che si connette all'inizio, io non ho pensato di scrivere questo libro, di proporlo all'inizio come libro di esordio, perché ero convinta che andando da un editore e dicendo sono figlia di due sordi che sono stati adolescenti profondamente anarchici, che hanno vissuto la disabilità in questo modo, che hanno fatto sempre la scelta meno plausibile, mi sarebbe stato detto che non sarebbe stato credibile neanche come romanzo in un certo senso. E quindi una delle provocazioni per cui poi ho scritto La straniera era che aspettative abbiamo nei confronti del margine, che aspettative abbiamo nei confronti di quelle parti di identità che non riusciamo ad accomodare nei discorsi teorici. Quand je pensais au début dédicacer mon livre à mes parents en écrivant à mes parents qui ont toujours vécu leur handicap comme une inconscience, avec inconscience. Parce que, en fait, quand on pense à la minorité, quelle qu'elle soit, que ce soit une condition de pauvreté ou une condition subalterne ou encore un handicap, on le redit toujours à une certaine idée de la manière dont on doit être, ou la personne doit être un bon handicapé, un bon pauvre, un bon subalterne. Et ma mère, qui, elle, n'avait pas du tout fait d'études d'ethnologie, arrivait parfaitement à incarner, dès les années 70, cette négociabilité de l'identité que moi, je comprenais grâce à ce bagage que j'avais. Elle incarnait cela, et en cela, encore plus en tant qu'écrivain qu'en tant que fille, elle m'a beaucoup appris, notamment parce que cette négociabilité de l'identité se traduisait par une dissimulation de sa surdité, par le fait qu'elle refusait effectivement d'apprendre la langue des signes. Et c'était en fait quand elle ne voulait pas faire quelque chose, qu'elle avançait le fait qu'elle ne pouvait pas le faire parce qu'elle était sourde, comme une nouvelle frontière de son handicap. Et ça, cela peut paraître dérangeant, mais c'était particulier. Moi, je ne pensais pas du tout commencer ma carrière d'écrivain par un livre autobiographique, parce que si j'étais allée chez un éditeur en lui proposant mon histoire, celle d'une fille d'anarchiste, de parents sourds, de parents qui vivaient dans la marginalité, la réponse de l'éditeur aurait certainement été que mon histoire n'aurait pas été crédible, et ce, même pas en tant que roman. Et donc, quand j'ai écrit ce livre, il y avait aussi cette provocation souterraine de mon côté,
qui était de me dire quelles sont les attentes que nous avons envers la marginalité et quelle est cette part d'identité que nous n'arrivons pas à intégrer dans les discours théoriques. Oui, et c'est intéressant parce que du coup, dans ce livre, vous êtes tout le temps en train de vous poser la question de la représentation. Par exemple, pour les grands-parents new-yorkais, comment parler de cette famille italo-américaine sans tomber dans les clichés que nous avons tous des familles italo-américaines à New York. Oltre a essere una bambina moralista, io ero anche molto frustrata perché essendo nata a New York io avevo un'aspettativa, un'ambizione, una fame di città e invece i miei nonni, tutti i loro amici, la loro comunità non avevano fatto altro che prendere il paesino da cui erano andati via nel sud Italia e ricreare una sorta di Disneyland del Mediterraneo, no? Hanno ricreato il loro villaggio in miniatura a Brooklyn e quindi ero anche sconcertata da questo mancato apprendimento della lingua, di creare questa sorta, no, di gated community in un certo senso. E poi ho capito che per loro gli stereotipi, no? Quindi anche abbracciare quest'idea di avere dei legami con la malavita, ma non ne avevano, erano con persone che dicevano di avere legami, no, con la criminalità organizzata solo perché passavano una busta, mia nonna mi mandava a contrabbandare mozzarelle. A un certo punto ho capito che questo stereotipo aveva una funzione protettiva e che era un loro modo di creare appartenenza e non era vero che erano rimasti dove erano partiti, sono arrivati in questa sorta di Neverland o di terra di mezzo in cui c'era una commistione tra i significati che si portavano dalla vita di prima a cui di fatto non volevano tornare. Io mi ricordo sempre che mio nonno tutte le estati preparava la valigia e diceva basta con l'America, è ora di rientrare, non rientrava mai, ma quell'atto magico di preparare la valigia e di tenerla sotto il letto aveva una funzione protettiva. Alors, j'étais non seulement une enfant très moraliste, mais j'étais surtout une enfant frustrée, parce que, étant donné que j'étais née à New York, j'avais une véritable faim, une soif urbaine, de ville. Et pourtant, en fait, tous mes amis, toute la communauté qui était autour de moi n'avait fait que recréer, en réalité, le village, un village miniature du sud de l'Italie. C'était une sorte de Disneyland Méditerranée. Et d'ailleurs, ça, cela passait par le fait qu'il n'y avait pas vraiment d'apprentissage de la langue, de l'anglais. On pouvait parler d'une sorte de ghetto communautaire. Mais en ce qui concerne justement les stéréotypes, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, dans cette communauté, on jouait avec ces stéréotypes. C'est-à-dire que, par exemple, le fait d'entretenir des liens avec la criminalité ou justement de ne pas en entretenir, c'était quelque chose d'important, mais presque d'imaginaire. C'est-à-dire que, par exemple, ma grand-mère m'envoyait faire de la contrebande de mozzarella, ou bien on faisait passer une lettre, on avait l'impression d'avoir un lien avec la criminalité organisée, avec la mafia, en fait. Cette manière de s'inscrire en fait dans le stéréotype avait une fonction protectrice pour ma famille. Ça avait une fonction d'ancrage dans une appartenance dans ce qu'on peut appeler un Neverland, un pays imaginaire, qui fonctionnait sur un mélange de signifiants qui provenaient de la vie d'avant. Et d'ailleurs, mon grand-père, par exemple, tous les étés préparait une valise en disant « Maintenant, ça suffit, on va rentrer quelque temps en Italie. » Et en fait, il ne partait jamais. Mais simplement, le fait de préparer cette valise, même si elle restait sous son lit, avait une fonction protectrice. Mais aussi, ce livre est intéressant pour nous, Français, je pense, parce que ça remet en question pas mal de clichés sur l'immigration italienne aux États-Unis. Parce qu'on a, toujours l'impression, il me semble, beaucoup de gens ont l'impression que les Italiens sont partis aux États-Unis et ils se sont installés là-bas. Et vous racontez une histoire qui est quand même dingue. Au départ, c'est l'arrière-grand-mère qui va en Argentine, qui remonte jusqu'au Mexique, qui se marie là-bas avec un Italien qui est là-bas, puis rentre en Italie. Puis c'est les grands-parents qui repartent, mais en laissant votre mère à Rome, qui part à son tour aux États-Unis pour revenir ensuite en Italie, non pas pour s'installer à Rome, mais dans le sud de l'Italie. C'est-à-dire que finalement, vous êtes au centre de quelque chose d'extrêmement mouvant. C'est ça qui vous constitue. Il n'y a pas d'émigrés, il n'y a pas d'Italiens et d'émigrés. Il y a un peu de tout, quoi.
Sì, allora una prima lettura, quando mia madre a 34 anni con due bambini dopo un divorzio si è trasferita da Brooklyn o da New York a un paesino della Basilicata a 1000 abitanti, la prima lettura è che oltre a essere un atto di follia, questo esilio è anche un trasferirsi dal futuro al passato, quindi da una società ipercontemporanea a una società arcaica. In realtà non è stato così, perché l'America di mia madre era in questa famiglia italoamericana che aveva un'idea molto specifica su come ci si comporta da donne, quindi era un contesto patriarcale, a maggior ragione con una figlia sorda che non era considerata in grado di crescere due figli. E mia madre, compiendo questa immigrazione, invece ha vissuto un Sud Italia molto anarchico in un certo senso, no? È stata la prima donna divorziata del paese, era un'artista, dipingeva in un paese in cui tutta la vita si orientava sul fatto di avere un buon rapporto col dottore e col prete. Lei non era cattolica, noi non andavamo a messa, quindi era interessante vedere come si era ribaltato, no, il rapporto con la tradizione. E in realtà l'étrangère è al femminile, perché in questo libro tutte le persone che attivano la migrazione sono donne, ma non è solo una migrazione convenzionalmente romantica, appunto nata dalla necessità dal Sud Italia povero ad andare negli Stati Uniti. Io vengo da una stirpe di accidental Americans, no? Di migranti al contrario, che hanno creato un contesto di futuro abbandonando invece la tradizione che avevano alle spalle. E quindi per me era interessante anche reimmaginare il discorso sulla migrazione, perché leggendo la storia di queste donne della mia vita non era automatico il fatto che fossero migrazioni dovute alla necessità, alla povertà. C'era anche il discorso del desiderio, e spesso quando facciamo discorsi sulla migrazione tendono a essere di emergenza, no? Di urgenza, legati a una contingenza di un bisogno. La migrazione che nasce invece dal desiderio, da un innamoramento, anche verso un'idea di sé, viene considerata velleitaria, e questo è stato vero soprattutto per la mia generazione, o comunque per le migrazioni occidentali, se vogliamo. E io volevo ribaltare un po' questo discorso. Alors, la première manière dont on peut lire, la première grille de lecture que l'on peut activer de cet acte de ma mère qui a 34 ans, divorcée, quitte Brooklyn pour retourner dans le sud de l'Italie, en Basilicate, un tout petit village de 1000 habitants, c'est que c'est un acte de folie. On peut tout d'abord parler d'un exil qui serait complètement fou, puisque en quelque sorte elle a quitté le futur pour retourner vers le passé, ou pour aller vers le passé. C'est-à-dire qu'elle a quitté une société qui était ultra-contemporaine pour aller vers une société archaïque. Mais en réalité, il faut bien comprendre que l'Italie de ma mère, et surtout le milieu dont elle venait, était en réalité une communauté italo-américaine qui était en fait un contexte très patriarcal, et qu'il était d'autant plus pour une femme qui était sourde et qui n'était donc pas considérée même comme capable d'élever ses enfants. Donc en fait, ce voyage de ma mère vers le sud de l'Italie, c'était plutôt un geste anarchiste. Et d'ailleurs, c'est ainsi qu'elle y a vécu en tant que divorcée, première divorcée de son village, en tant qu'artiste peintre. Alors qu'à l'époque, la vie, le mode de vie principal tournait autour des relations que vous aviez avec le médecin, avec le prêtre. Et nous, évidemment, nous n'allions jamais à la messe, nous n'étions pas du tout dans ce mode de vie traditionnel. Donc il y a là une sorte de renversement du rapport à la tradition dans ce geste qu'a effectué ma mère en émigrant des États-Unis vers l'Italie du Sud. Car il faut aussi voir qu'en réalité, le roman s'appelle L'étrangère au féminin, parce que dans ma famille, ce sont toujours les femmes qui ont été à l'origine de la migration, celles qui ont activé la migration. Et cela, véritablement, en opposition avec la convention qui veut qu'en général, on émigre pour des raisons économiques poussées par la pauvreté, et notamment de l'Italie vers les États-Unis. En réalité, moi, je viens d'une famille, d'une lignée d'immigrés par accident.
C'est-à-dire que nous avons toujours été à contre-courant dans nos migrations. Ce sont des migrants à l'inverse. Et puis, une sorte d'abandon de cette tradition, justement, qui fondait l'immigration, l'émigration sur la pauvreté. Mais au contraire, justement, nous, c'était dans ma famille, c'est le désir qui a été à l'origine de ces migrations. Et je trouvais que c'était intéressant, justement, de parler de ce renversement de l'immigration qui n'est pas... conditionné par l'urgence et la contingence, mais plus au contraire, voilà, par l'amour et le désir. C'est quelque chose que vit davantage évidemment ma génération, mais il me semblait que c'était intéressant d'opérer ce renversement, de l'analyser. Mais il me semble que tout votre travail d'écriture, c'est tout renverser. C'est justement abattre un par un tous les stéréotypes et toutes les conventions sur le handicap, sur l'immigration, sur le genre, sur les classes sociales aussi. On n'en a pas encore parlé, mais tout ce que vous dites entre la bourgeoisie et les classes populaires, aussi bien pour votre mère, mais vous ensuite, quand vous faites des études et vous rencontrez des gens plus bourgeois que vous, chaque fois, vous déstabilisez le lecteur dans ses propres convictions. Quando ho finito il liceo mi sono iscritta ad antropologia culturale all'università perché volevo vedere, scoprire, no, tutte le parti di cui ero composta, quindi come l'appartenere alla classe subalterna, come essere una donna, come essere meridionale, come aver vissuto l'esperienza della migrazione, mi avevano formata e mi aspettavo che tutti questi stereotipi appunto sarebbero esplosi in un certo senso fino a non avere più importanza. E mi ricordo che la mia prima lezione invece fu con un professore molto caro che oggi non c'è più, che diceva, ma è un po' vero, cioè voi farete questi studi per scoprire alla fine che è un po' vero che i tedeschi sono rigidi, è un po' vero che i romani guidano male ed è un po' vero che i napoletani rubano. E io ci sono rimasta malissimo perché non capivo, infatti non volevo più seguire le lezioni, no? Era l'esatto opposto a ciò a cui ero interessata. E invece io anche attraverso la scrittura mi pongo sempre la questione di lavorare sul rovesciamento dello stereotipo, però anche considerarlo come un oggetto. Prima parlavo di come ognuno di noi, quando ci troviamo in una posizione di marginalità, come è stata quella dei miei nonni negli Stati Uniti o quella che è stato lo strumento di mia madre, che è stata la finzione e menzogna, la tecnica di sopravvivenza di mia madre è stata immaginarsi come personaggio romanzesco e anche in parte quella di mio padre, e quindi come questa attività di sovrascrivere se stessi ha poi condizionato il mio rapporto rispetto all'autenticità in un certo senso e al contrario dell'autenticità. E credo che questo sia un modo in cui io sto nella scrittura, nella letteratura, però non nasce dal romanzo, ma nasce da una famiglia che ha proprio impostato le proprie strategie di vita su questa sovversione continua dello stereotipo e con la creazione costante di una mitologia personale. Alors, quand j'ai terminé le lycée, je me suis inscrite à l'université, dans une faculté d'anthropologie culturelle, parce qu'en fait, je souhaitais découvrir toutes les parties dont j'étais composée, à la fois ma condition subalterne, le fait d'être une femme, le fait d'avoir eu l'expérience de la migration. Et je pensais que tous ces stéréotypes allaient exploser. C'était mon attente. Et pourtant, dès le premier cours, avec un prof qui aujourd'hui est décédé et dont je me rappellerai toujours, cela ne s'est pas passé comme prévu, puisqu'il nous a dit, vous savez, c'est un peu vrai, vous allez découvrir qu'en réalité, effectivement, les Allemands sont un peu rigides, les Romains conduisent mal et les Napolitains sont un peu voleurs. Et moi, je ne comprenais pas du tout. C'était vraiment tout à fait le contraire de ce que j'attendais. Mais je me suis aperçue, dans mon écriture, que c'était un travail important, la question du stéréotype, et pas seulement pour le renverser, le stéréotype en tant qu'objet en soi. Puisque, comme un petit peu chacun de nous, mes parents avaient utilisé des techniques de survie, et la principale était de s'imaginer comme un personnage romanesque.
Et je me demandais en réalité comment cette expérience avait conditionné le rapport que j'avais moi-même à l'authenticité. Puisque je suis née dans une famille qui avait cette stratégie de survie, ce goût pour la subversion de l'authenticité et pour la construction d'une mythologie personnelle. Bah, la fiction, elle est dès le départ dans ce livre et dès le départ dans votre vie, parce que le livre, il commence comme ça. Il y a deux versions de la rencontre de vos parents. Ils sont dans la fiction dès le départ. Ils racontent une histoire et elle en raconte une autre. Sì, il libro ha questo doppio incipit. Da una parte racconto come mia madre dice di aver incontrato mio padre, cioè salvandolo da un tentato suicidio da un ponte a Roma, e dall'altra mio padre, storia che io ho scoperto solo molto dopo, che dice di averla salvata da un'aggressione. E è stato interessante perché io sono cresciuta con la versione materna, è molto difficile mettere in discussione il mito di una madre, e quindi io ho dato per buono il fatto che fosse stata lei a compiere un atto di salvezza. Però così non ci sarebbe stato questo libro, ci sarebbe stata una versione, diciamo, monoteista, mitologica. È stato quando mio padre contraddice la versione di mia madre che io finalmente ho avuto un romanzo, e mi è stato proprio chiaro, come se vogliamo atto poetico, stabilire che ogni famiglia è un caleidoscopio, se vogliamo, di finzioni, e questo mi ha sollevata dal problema di cosa è vero e non è vero, che non era tra i miei interessi. E questo perché appunto con queste due versioni che si contraddicono, in un certo senso si dà il via a tutto il testo, e mi baso sul presupposto che nei memoir o nelle autobiografie l'oggetto centrale non è mai il resoconto della verità, ma è cercare di trovare una voce intima sul sé, che non è necessariamente appunto legata al vero. Alors, en quelque sorte, mon livre a un double incipit, puisqu'il part d'un côté du récit de ma mère, qui est celui donc, de la rencontre avec mon père, où elle dit l'avoir sauvé un jour où il tentait de se suicider en se jetant d'un pont. Mais il y a aussi le même récit de la part de mon père sur leur rencontre, où il dit que lui, il a rencontré ma mère parce qu'il l'a sauvée. Il est venu à son secours lors d'une agression. Donc c'est intéressant parce que moi j'ai grandi avec la version maternelle, et Dieu sait qu'il est difficile de remettre en question la version d'un parent, et notamment celle de la mère. Mais si j'avais repris les choses telles qu'elles m'ont été racontées par ma mère, le livre aurait été en quelque sorte monothéiste, mythologique. C'est à partir du moment où mon père a contredit cette histoire, quand j'ai pu avoir sa version qui n'était pas du tout la même, que j'ai su que j'avais un roman. Et je peux dire maintenant, comme presque un fait poétique, qu'en réalité chaque famille est un kaléidoscope de fiction. Et ça, cette découverte m'a en quelque sorte soulagée de la question du vrai et du faux, de savoir ce qui est vrai et ce qui est faux, qui m'intéressait peu, et je me suis aperçue qu'elle n'était pas très importante, puisqu'il y a cette deuxième version justement qui vient tout contredire, et c'est souvent le cas en général dans les familles, puisque en réalité, dans le livre, ça a été important parce qu'en réalité, c'est comme ça que j'ai pu m'apercevoir qu'une autobiographie, des mémoires, ce ne sont pas des comptes rendus des faits, mais bien, que leur enjeu est bien de trouver cette voix intime sur soi et qui n'a rien à voir avec la vérité. Et oui, alors les deux versions, en tout cas, commencent sur une histoire violente à chaque fois. Et ça, c'est un autre aspect du livre dont on n'a pas parlé encore, c'est qu'il y a quand même des choses extrêmement violente, pas drôle du tout dans votre enfance, parce que votre mère est ce qu'elle est, qu'elle vous abandonne un peu à vous-même, votre frère, quand vous êtes petit, bon, vous débrouillez un peu tout seul, on va dire. On ne va pas tout donner dans le détail, mais il y a des scènes qui sont extrêmement dures, finalement, et dans la vie de vos parents,
et dans votre vie à vous, enfant. Alors, en tant qu'écrivaine, comment on travaille ça, la violence, pour ne pas tomber dans un livre qui serait totalement mélodramatique? Comment on se débrouille avec la violence d'une vie quand on écrit? Uno dei passaggi del libro a cui tengo di più è legato a una scena di quando ero al liceo che volevo descrivere in maniera melò, un po' patetica, perché era una festa di 18 anni, io vivevo in un piccolo paesino e quindi era una delle poche occasioni in cui incontrare degli stranieri, no? Dei ragazzi con cui non eravamo cresciute. Ed ero lì in una situazione pseudo-romantica, diciamo, con questo ragazzo, e arriva un mio amico d'infanzia che era ubriaco e, per cercare di creare scompiglio, dice: la cosa più drammatica, violenta che è successa nella mia vita è quando tuo padre è venuto a fare un'aggressione a te e ai tuoi genitori. È uno degli episodi più drammatici della mia infanzia, in cui mio padre voleva rimettersi con mia madre e quindi usava armi, mi rapiva, c'era tutto questo. E io in quel momento non provavo umiliazione tanto per qualcosa che mi era successo nel passato, non c'era una sofferenza attiva, ma ero umiliata nel presente. Quindi oggi la memoria che io ho è il fatto che mi si sia rovinata un'occasione romantica e non la violenza che avevo subito nella mia infanzia. E questo mi ha fatto molto ragionare sul rapporto col trauma, l'elaborazione della violenza e come cambia significato nel corso del tempo, e dice anche molto di come funziona la fiction in un certo senso. Quando quel mio amico ha detto la cosa più drammatica che è successa a me è un fatto che è capitato a qualcun altro, questo è il rapporto che io ho con i romanzi, con la musica, con le opere d'arte. Cioè, la fiction fa male in un certo senso, può ferire più di un padre. Io ricordo la prima volta che ho visto Lezioni di piano, no? Di Jane Campion, questa scena del pianoforte. Vedevo una grande imitazione in un certo senso, perché c'era questa madre che aveva una disabilità in una comunità straniera con una bambina, e mi ricordo che nella mia percezione su cosa sia l'assalto, la violenza, la ferita, è molto più vero il rapporto che ho con un film di finzione che non con la figura stessa di mio padre. Alors, un des passages que j'affectionne le plus dans le livre, c'est une scène qui se déroule quand je suis au lycée. Et je voulais la décrire de manière un petit peu mélodramatique. Mais en réalité, donc, il s'agit du passage où je me rends à une fête d'anniversaire, les 18 ans de quelqu'un dans mon village. Et en fait, c'est une occasion importante parce qu'on peut, dans ce genre d'occasion, rencontrer d'autres personnes, des jeunes avec lesquels on n'a pas grandi. Donc, c'était une occasion importante, pseudo-romantique, en quelque sorte. Et là, il se trouve qu'un de mes amis d'enfance, pour créer un peu de désordre, a dit quelque chose. Il m'a dit le fait le plus dramatique de ma vie, c'est le jour où j'ai vu ton père agresser ta famille. Et en réalité, il se référait à des moments où, effectivement, mon père, qui cherchait à se défendre et à avoir des liens de communication avec ma mère, utiliser des moyens violents comme l'enlèvement, des menaces physiques. Et c'était ce dont se rappelait ce garçon. Ce qui est incroyable, c'est que je n'avais pas ressenti d'humiliation sur le moment, quand ça s'était véritablement passé, c'est-à-dire quand mon père nous avait menacés. Mais j'ai ressenti de l'humiliation à ce moment-là, au moment où il a raconté, et surtout quand il a dit que ça avait été pour lui un événement traumatisant, un événement dramatique. Parce que quelque part, pour moi, maintenant, ce souvenir, c'est celui surtout d'une fête gâchée, d'une occasion gâchée, mais bien plus tard, bien après les faits. Le fait que cela ait un rapport, en fait, avec la fiction, c'est très important dans le livre, puisque en réalité ce garçon parlait de quelque chose qui concernait sa vie. Il disait la chose la plus dramatique qui m'est arrivée à moi, alors que c'était quelque chose qui ne lui était pas arrivé directement.
Cela a beaucoup compté dans la manière dont j'élabore et dont je pense l'élaboration de la violence et du traumatisme, surtout, et la manière dont il change au cours du temps. Et sur aussi le fait que la fiction, et c'est le rapport que j'ai moi aussi avec les livres, avec les chansons, elle peut faire mal. C'est-à-dire qu'un livre, une chanson, peuvent blesser autant, voire plus qu'un père. Et c'était en particulier ce que j'ai ressenti en regardant La leçon de piano, le film de Jane Campion, parce que justement, il y avait une structure qui était assez similaire dans la famille. Et voilà, je m'arrête là. On est toujours sur des questions de représentation, finalement. Mais comment vous travaillez ? On a presque l'impression, vous parlez d'un film, mais on a l'impression que vous avez un œil de cinéaste. J'étais frappée dans ce livre. Comment vous parvenez à nous raconter des choses avec des petits détails ? Par exemple, vous parlez des hommes de votre famille et vous dites, je vous cite de mémoire, vous dites ces hommes qui avaient des polos rayés et qui étaient pieds nus dans des mocassins. Et on se dit, mais c'est exactement ça. Comment vous vous souvenez de détails comme ça, de petites choses qui arrivent à raconter tout un milieu social ? Sì, e credo appunto di aver avuto a questo punto il privilegio di crescere tra persone che erano disordinate su vari piani, ma uno degli aspetti più interessanti era proprio questo disordine sul piano tra fiction e non fiction. Per esempio, mio padre è stato un grande amante del cinema americano anni 70, fatto da personaggi maschili, nichilisti, con forte disaffezione, e quindi limitava non solo nelle posture, nell'abbigliamento, e questa era una cosa che avevano anche, per esempio, delle mie zie che in America facevano le macellaie di giorno, però lavoravano nei nightclub la notte, quindi avevano questo camice bianco ma con i vestiti con i lustrini sotto. E questi sono elementi che penetrano subito nell'immaginario e mi hanno posto sin da subito la questione di chi ha diritto di rappresentarsi in un certo modo o no, chi ha diritto a immaginarsi come il personaggio di un film e di un romanzo. E allora queste persone tra cui io sono cresciuta, che lavoravano molto sui dettagli, sulla presentazione di sé, lo facevano in una maniera istintiva, in qualche modo proprio che andava anche all'idea di, come dicevo prima, di classe o cosa ci si può permettere o non può permettere. E questo per me è stato un laboratorio di osservazione fondamentale e che ha fatto sì che io leggessi subito la realtà e le persone attorno a me come potenziale da fiction. Alors je crois que j'ai eu vraiment le privilège de grandir au milieu de personnes qui étaient très désordonnées et sur plusieurs plans, dérangées, désordonnées, notamment sur le plan de la frontière entre la fiction et la non-fiction. Et notamment mon père, qui aimait beaucoup le cinéma américain et ses personnages masculins, des personnages nihilistes, qui limitaient beaucoup dans leur manière de s'habiller, notamment. Et je pense aussi à des tantes qui pendant la journée, travaillaient comme vendeuses dans une boucherie, dans une charcuterie, donc il y avait une blouse blanche, mais qui le soir dansaient dans des nightclubs, donc sous la blouse de travail, elles avaient des vêtements un peu brillants. Tout ça, ce sont des éléments qui pénètrent dans l'imaginaire et qui répondent à une question, qui posent cette question fondamentale : qui a le droit de se représenter d'une certaine manière, de s'imaginer d'une manière ou d'une autre ? Et tout cela, cette chance d'avoir pu être au contact de personnes qui avaient une très forte attention à ce genre de détails, notamment aussi en ayant conscience de leur lien avec la question de la classe sociale, ça a été un formidable laboratoire pour moi pour pouvoir lire à travers les détails cette question de la représentation de soi et de la fiction.
Et la représentation, elle est aussi, la question de la représentation, elle est aussi dans le langage, dans la langue, puisque vous avez choisi d'être écrivaine et traductrice. Vous travaillez avec l'anglais et vous écrivez en italien. Et à un moment donné, j'ai pas noté exactement, mais vous dites que c'est pas seulement deux langues différentes, c'est que quand on passe d'une langue à l'autre, on voit les choses différemment. C'est pas exactement la même réalité en anglais qu'en italien. Una delle prime domande che mi veniva fatta, insomma, da bambina era quale lingua ti riconosci di più, in quale lingua hai imparato a parlare, e questo implicava un rapporto binario, no? Una scelta fra l'inglese o l'italiano. E io piano piano ho scoperto, così come facevo il discorso di Neverland, di questo spazio intermedio, che io vivevo, abito e scrivo costantemente in una zona intermedia fra queste due lingue. Quindi la superficie è che scrivo, mi esprimo in italiano, ma la sintassi profonda spesso è inglese, no? Che è una sintassi molto orientata all'azione, mentre l'italiano, per esempio, è una lingua che ha una grandissima sensibilità spaziale, ci sono banalmente più tempi verbali in italiano, e questo fa sì che ci siano vari modi di viaggiare nel tempo che io trovo affascinanti. E lo stesso quando scrivo in inglese si sente molto, no, la mia sintassi italiana, ed è per questo che credo che qualsiasi discorso sulla lingua o sulla traduzione non possa mai essere binario, anche se parliamo una lingua sola, perché magari ci siamo formati in un lessico familiare, in un contesto che era polifonico, appunto, perché magari c'erano i dialetti, quindi anche se non c'è una lingua straniera, bisogna pensare a tutte le forme di estraneità all'interno di una stessa lingua, che non è solo appunto il dialetto, ma anche l'impostazione di classe o degli accenti, che una cosa che io trovo affascinante, che mi fa pensare che siamo tutti spie, e quando andiamo, ci trasferiamo in un paese straniero, cerchiamo fortemente di adottare l'accento di quella lingua, di parlare bene quella lingua, e poi c'è qualcosa che ci tradisce, no? Si sente un'inflessione del passato. Ci sono persone che si sentono proprio scoperte in quel momento, però io credo che non riguarda solo il transitare da un paese all'altro, ma fare i conti con tutti, no? I lessici e la polifonia interiore. Ognuno di noi sta in un mercato nero del linguaggio. Alors, une des premières questions qu'on m'a posées quand j'étais enfant, c'était de savoir dans quelle langue je me reconnaissais et quelle langue j'avais appris en premier, l'italien ou l'anglais. Et donc, la réponse appelait toujours, cela appelait toujours une réponse binaire, c'est-à-dire soit l'anglais, soit l'italien. Alors qu'en réalité, comme je parlais tout à l'heure de Neverland, il faut penser qu'il y a un espace imaginaire et un espace intermédiaire. Moi, je vis et je travaille dans cette zone intermédiaire. Et donc, même s'il y a en surface l'italien, c'est-à-dire que je parle italien en surface, en réalité, ma syntaxe, à un niveau plus profond, est liée à l'anglais. Ça se voit aussi sur divers plans, et notamment sur le plan de l'écriture. Par exemple, l'italien a une sensibilité beaucoup plus forte à l'espace, notamment en raison des nombreux temps verbaux qui sont possibles, ce qui permet de voyager plus facilement dans le temps. En réalité, tout discours sur la langue ou sur la traduction devrait abandonner la dimension binaire. Et d'ailleurs, c'est le cas pas seulement pour ceux qui sont bilingues, puisqu'on se forme en fait toujours dans un lexique familial, dans une forme de polyphonie, quelle qu'on soit. Cela peut être parce qu'on a des formes de dialectes qui sont parlées chez soi, ou bien quelqu'un qui va avoir un accent particulier ou une manière de parler qui est liée à une classe sociale. En réalité, il y a plusieurs formes d'étrangeté dans la même langue. Et ça, on s'en rend compte notamment par le fait que nous sommes tous un peu des espions. Et quand on va dans un pays étranger, on essaye en général d'imiter la langue du pays, ce que l'on entend, les coutumes. Et en général, on se trahit à un moment donné. Il y a un petit détail, notamment ça peut être un accent,
une inflexion qui vient du passé et qui fait qu'on se trahit. C'est une expérience à laquelle tout le monde est confronté à un moment donné et qui révèle cette polyphonie qui est intrinsèque et au fait que nous sommes tous sur le marché noir du langage. Oui, finalement, pour conclure, parce qu'on vient de me faire signe, je suis en retard. Finalement, avec ce livre, vous redéfinissez la notion d'identité comme une espèce d'accumulation. C'est pas juste une chose, l'identité, c'est la possibilité d'être entre ou avec plusieurs choses, quoi. Sì, sarò breve. Innanzitutto, grazie Sylvie, grazie Marina, che è stata fenomenale. E una cosa semplice, quando leggiamo i romanzi familiari spesso c'è la metafora dell'albero genealogico, no? Le famiglie sono strutturate come rami che escono fuori da altri rami identificati nel tempo. Io ho capito scrivendo La straniera che l'appartenenza e l'identità non funzionano così, sono esperienze rizomatiche, e però in qualche modo volevo abbandonare l'idea di radice, perché è violenta l'immagine della radice, è qualcosa che tu puoi strappare e anche estirpare, e quindi quando penso all'appartenenza penso più alle spore, no? Che sono queste sostanze che sono nell'aria, che sono presenti, abbiamo memoria di queste persone, di questi vissuti, però non sono radicati, e se non sono radicati non possono essere neanche strappati. Alors souvent quand on lit des romans familiaux, on pense à l'image de l'arbre généalogique. Et donc avec cette idée que de certaines familles sortent d'autres familles, hein, par la métaphore de la branche. Et en réalité, avec L'étrangère, j'ai compris et j'ai voulu montrer que l'appartenance n'a rien à voir avec un arbre généalogique, c'est une expérience rhizomatique. Plutôt que de parler de racines, qui est quelque chose qui comporte en fait une dimension assez violente, puisque les racines, on peut les arracher, on peut les extirper, on peut les couper. Je préfère parler de spores, qui sont ces substances qui voyagent dans l'air. Ce sont des personnes, la mémoire des personnes et des vécus, mais elles n'ont pas cette dimension des racines que l'on peut couper. Alors que les spores, on ne peut pas les arracher. Donc. Merci, on va rester sur cette belle image. Merci Claudia Durastanti, donc L'étrangère chez Buchet-Chastel. Merci pour cette traduction simultanée, bravo. Si vous voulez continuer cette conversation, Claudia Durastanti va signer ses livres à l'extérieur. Et si vous voulez rester, la prochaine rencontre, tout de suite, là, à 16h, c'est Éric Vuillard, prix Goncourt, pour son nouveau livre, Une sortie honorable chez Actes Sud. Et la rencontre sera animée par Gwenaëlle Boutouillet. Merci pour votre écoute. Merci. Merci, Sylvie. Merci.